tout le monde, c'est Marco et on se retrouve pour le skin de Leblanc qui vient de sortir sur le PBE, Ravenborn Leblanc, avec l'accent anglais et un peu d'accent français. Bref, ce skin qui, clairement là c'est, voilà, je le mets au même niveau que Championship Shyvana, il est beau, il est très très beau. C'est une Leblanc, Leblanc de base est pas ouf, on va dire, son skin n'est pas ouf de base, elle est pas super jolie, elle est pas... Elle pète pas du feu, elle casse pas trois pattes à un putain de canard. Mais là, ce skin est beau. Clairement, vous avez un bâton avec un corbeau. Une espèce de corbeau pétrifié en haut, avec la petite lumière pour qui va... C'est de là d'où vont partir les auto-attaques. C'est une espèce de robe de mage qui a été retravaillée, redessinée, qui est très 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 stylisée. Et je la trouve clairement à un autre niveau que le skin de base. Et... je kiffe parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un skin pour Leblanc, très longtemps, et c'est un perso qui a pas beaucoup de skins et je trouve que ce skin là lui va très 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 bien. Donc on va commencer par le passif qui va proquer. Donc le passif, voilà, donc vous vous retrouvez avec une espèce de, voilà, le deuxième, hein, comme d'habitude, pas tout à fait les mêmes couleurs, un peu plus dépravé, déchiré, une robe un peu... sur deux tons, un peu beaucoup plus de contraste sur le double. Voilà, les auto-attaques qui partent de la tête du corbeau, le A qui pose une marque avec une impression de corbeau à l'intérieur. C'est... On voit pas beaucoup là, mais c'est très stylé. Je vous avoue que c'est très stylé. Le Z, toujours dans les tons, voilà, dans les tons vert lumineux, vert très pâle, et c'est joli. Le vert avec ulti, premier vert, le deuxième est plus dans les tons de violet, comme vous le voyez. Je l'aime ce skin, il est beau. Comme vous pouvez le voir, hop, sur les sbires ça donne ça, voilà, on fait péter la marque, c'est très fluide, il n'y a rien à dire, la chaîne très, beaucoup moins visible que la première, que celle du skin de base, et pareil pour l'ulti, elle est en violette, la première est en verte, mais c'est beaucoup moins visible que celle du skin de base, c'est-à-dire qu'à mon avis, ça va être un peu plus dur à esquiver, ou on les verra moins. Oh mon dieu, le fail. ok, je vais l'avoir. Ne vous inquiétez pas, bref, ce skin de Leblanc, Ravenborn Leblanc, je ne connais pas le prix encore. Je pense que ça sera 975 RP ou peut-être 1300, je suis pas sûr, 1350 peut-être, à voir. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et sur ce, moi je vous dis à ciao, bonsoir. Your spirit never dies. Farewell, I've gone.